Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Alors on va faire une petite méditation, parce que ce soir je ne suis pas là, et pour les autres personnes, vous allez pouvoir la faire en replay. Donc Marie-Christine Gendron, sophrologue, relaxologue. Ok, thérapeute holistique, énergéticienne. On va travailler sur soi, comme d'habitude, on va ouvrir pour soi. On va prendre un temps de pause. Prenez le temps de vous installer bien confortablement. Je vous laisse vous installer. Vous prenez une couverture si besoin. Tac. Voilà, il n'y en a plus. Donc vous prenez le temps de vous installer dans une position confortable. Vous faites en sorte que personne ne vous dérange. Vous fermez les yeux en signe de rupture avec le monde extérieur. On va prêter attention à sa respiration. On va laisser le ventre se gonfler à chaque inspiration. Et vous laissez votre ventre se dégonfler à chaque expiration. Vous vous installez dans cette respiration. Une respiration consciente pour tout d'abord calmer votre corps, votre esprit. Et pour vous permettre de vous poser. Vous prenez conscience de votre position verticale. Et vous cherchez à retourner à l'intérieur de vous-même pour aller chercher la sérénité. La paix dont vous avez besoin. Pendant un instant, vous mettez l'intention de faire respirer tout votre corps.
tout votre corps respire en pleine conscience. Et vous laissez partir toutes les vieilles énergies à chaque expiration. Et à chaque inspiration, vous laissez entrer les nouvelles énergies. Imaginez que votre respiration purifie votre corps, nettoie tout votre corps au fur et à mesure que vous respirez. Laissez entrer l'air par vos narines et faites confiance à votre corps. Faites confiance à l'expiration pour purifier, nettoyer. Et vous vous laissez complètement aller. Vous vous laissez aller dans cette respiration. Dans cette respiration de plus en plus calme. Et tout en respirant, je vous invite mentalement à chaque expiration de dire à votre corps, je suis calme. Je suis calme. Remerciez votre corps pour tout ce qu'il fait pour vous. Soyez rempli de gratitude pour les organes, les glandes, vos os, le sang. Remerciez votre corps pour tous les services qu'il vous donne. Aimez votre corps. Maintenant, vous avez l'impression que votre respiration accompagne votre corps physique. Votre respiration vous accompagne vous-même aussi. Une respiration qui cherche, qui vous demande d'être à l'écoute de votre corps en cet instant.
Appréciez le silence intérieur. Ce silence intérieur qui vous traverse. Lâchez complètement prise. C'est comme si vous vouliez vous mettre dans une bulle pour vous protéger du monde extérieur. C'est comme si vous vouliez vous mettre en retrait du monde extérieur. Plutôt, disons que vous cherchez à vous adapter. Vous avez un pouvoir d'adaptation. Et ce pouvoir d'adaptation peut vous aider en toutes circonstances, en tout lieu, par votre simple conscience et choix de vous mettre dans cette bulle. Le monde extérieur ne vous affecte plus. C'est comme si vous regardiez le monde extérieur d'en haut, comme un acteur ou une actrice qui joue un rôle. Et vous revenez dans votre bulle, en pleine conscience. Dans cette bulle, vous observez votre corps avec tous les vortex d'énergie en tant qu'être arc-en-ciel. Dans cette bulle remplie de couleurs de l'arc-en-ciel, l'énergie de la terre vous accompagne, vous soutient. L'énergie du ciel vous guide. Vous sentez merveilleusement bien, caressé par toutes ces flammes de couleurs rouge, orange, jaune, vert, rose, bleu ciel, bleu indigo, violette. La lumière blanche tout autour de vous est comme un cocon de lumière. Et vous imaginez que vous prenez cette opportunité pour aller voyager dans votre monde intérieur, auprès d'une cascade. Vous voyez la forêt sur votre gauche, surplombée
les rochers, un mur de pierre et la cascade en face de vous, une eau pure et cristalline. Écoutez le bruit de cette eau. Cette eau qui fait écho, qui résonne avec votre eau intérieure. Voyez le soleil qui brille comme des petits diamants sur cette eau. Et en bas de cette magnifique fontaine rocailleuse, un petit étang, un petit lac. Avec la végétation qui est tout autour et la lumière du soleil, voyez l'eau qui est toute verte et morose. Des reflets solaires qui scintillent sur l'eau. Vous allez vous asseoir devant cette cascade. Vous vous voyez en train de fermer les yeux devant la cascade pour encore un peu plus vous imprégner de ce décor délicieux, magique et tellement beau. C'est un paysage féerique où tous les éléments sont au rendez-vous. Vous respirez profondément cette ambiance qui vous entoure, cette atmosphère régénérante, ressourçante et en même temps si calme et paisible avec cette eau qui coule. Tout votre être soupire de bien-être. Vous êtes en totale osmose avec tout ce qui vous entoure. Vous êtes tellement bien. Vous décidez de vous relever et de mettre vos pieds dans cette eau, une eau fraîche et douce. C'est comme si tout votre être se gonflait de bien-être, de satisfaction. Vous êtes surpris que ce rafraîchissement vous fasse du bien, un si grand bien en cet instant. Vous caressez cette eau avec vos mains tout en marchant. Vous avez pied. Et vous vous dirigez vers la cascade. L'eau n'est pas profonde. Et vous avancez en toute sécurité. Vous êtes
sous la cascade. Pour ceux et celles qui le désirent, mettez-vous dessous. Une douche de lumière cristalline. Chaque goutte d'eau qui coule sur votre corps nettoie, purifie. Nettoie et purifie toutes les cellules, de la tête aux pieds. Demandez ici et maintenant que cette eau transmute toutes vos énergies limitantes, toutes vos émotions négatives, toutes vos pensées négatives disparaissent dans cette eau qui transmute. Cette eau verte guérit toutes les blessures, les blessures du corps et de l'âme, les blessures de votre cœur. Il vous suffit tout simplement de demander de vous réaligner à l'énergie, à la vibration de cette eau verte, ici et maintenant. Je demande un réalignement avec tous mes corps. En partenariat avec mes corps, et vous laissez faire ce travail. Chaque goutte d'eau qui touche votre corps, car vous avez peut-être de l'eau jusqu'aux genoux, ou plus suivant ce que vous avez envie de visualiser. Chaque goutte d'eau qui touche votre corps est une nourriture guérissante. Chaque goutte d'eau sur votre corps glisse avec fluidité, avec facilité. Elle emmène avec elle toutes vos limitations, toutes vos peurs, toutes vos angoisses, toutes vos colères. Et pour ceux et celles qui le désirent, bien entendu, je vous invite à vous immerger dans cette eau verte, tout entier, la tête sous l'eau, pendant quelques secondes, afin de bénéficier de cette eau curative qui transmute, qui nettoie, qui purifie.
des personnes qui ont décidé de se mettre sous l'eau. Vous ressentez une sensation extraordinaire, une légèreté, votre corps en apesanteur, une libération totale. Et vous ressortez de cette eau. Pour aller vous sécher au soleil. Et vous retournez vous asseoir face à la cascade. Le visage tourné vers le soleil. Sentez combien cette chaleur solaire vous remplit de bien-être, de douceur. Les rayons solaires accentuent aussi un processus de guérison. Il vous réchauffe. Il vous réchauffe le corps, le cœur et l'âme. Quelqu'un s'approche de vous et vous apporte des vêtements tout neufs qui symbolisent que le travail de purification et de nettoyage a été fait. Vous laissez les vêtements ici. Pour vous habiller de ces vêtements neufs. Ils sont blancs. Tout est blanc. L'être qui vous a apporté vos vêtements est un être dont le cœur est pur. Grand, blond, avec des yeux bleus. Ses yeux sont remplis d'amour. Sa vibration vous enveloppe. Et votre âme le reconnaît. Votre mémoire remonte à la surface.
et prends vos deux mains qui sont jointes dans les siennes. Et cherche à vous faire ressentir toute la joie de ces retrouvailles. Il vous demande de l'appeler quand vous éprouvez le besoin d'avoir de l'aide sur cette terre. Quand vous sentez seul, triste. Pour le moment, vous ressentez cette joie, cet amour qu'il vous donne. Et vous avez l'impression que vos mains sont bouillantes d'énergie, très chaudes, vibrantes. Vibrantes. Vos mains deviennent des mains de lumière, chaudes, aimantes. Cette chaleur remonte le long de vos bras, entoure vos épaules. Vous sentez cette énergie chaude descendre le long de votre dos. Maintenant, vous ne sentez plus votre corps. Tout votre corps est engourdi. Votre taux vibratoire s'est élevé en toute puissance. Une telle puissance que vous avez l'impression que votre corps est en lévitation. Vous ne sentez que vos mains dans les siennes. Même si vos mains sont engourdies, vous sentez sa présence et ses mains.
transmet l'information que le corps, dans cet état, n'est autre que le corps de lumière. Et que ce corps de lumière doit refaire surface et dépasser le corps humain. Me dit-il, vous devez transcender la matière. Vous devez transcender la matière. Mettre encore un peu plus de lumière dans ce corps qui est le vôtre. Afin d'accentuer ce processus d'ascension planétaire, sachez qu'en œuvrant sur vous, dans cet état, tout ce qui vous entoure vibre au plus haut. Tout s'élève, la matière s'élève. Vous prenez conscience maintenant, là, tout de suite, ce que veut dire le pouvoir de co-créer. Il est plus qu'urgent maintenant de faire ce travail chaque jour. Ce travail qui n'est pas un travail, car pour ceux et celles qui vibrent dans cet état, c'est un moment extraordinaire au niveau sensation, sentiment, émotion. C'est plus que gratifiant pour vous. De cette nouvelle collaboration entre vous et nous. Il vous faudrait en fait conserver le plus longtemps possible cet état quand vous allez revenir. Quand vous allez revenir en pleine conscience à l'endroit où vous êtes assis. Faites ce travail, cet exercice,
tous les jours pour que cet exercice se fasse de plus en plus vite, de plus en plus rapidement dans cette énergie. Pour qu'aussi qu'à votre quotidien, que votre quotidien devienne une méditation vivante, agréable, remplie de joie. N'oubliez pas, qu'en cherchant à installer cette vibration en vous, vous permettez de manifester à l'extérieur de vos 7 vibrations. Et le moment est venu d'être dans l'énergie d'action. Nous vous aimons et nous sommes fiers de tout ce que vous faites ici sur Terre, pour la Terre, pour les humains, pour les animaux, pour la végétation, pour tous les peuples, les règnes. Et vous reprenez conscience du monde extérieur et vous revenez tranquillement à votre rythme, chacun à son rythme. Chacun revient à son rythme à la maison. Et si vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. C'était trop bien. Non, mais ça va. Ça va. Ah bah, j'ai quand même mis 1h20. Hein. Voilà. Donc, je vous laisse reprendre vos esprits, comme on dit. Tranquillement, chacun à son rythme.
Je vais mettre en dessous de la vidéo quel travail nous avons fait et quelle rencontre personnellement j'ai faite pour vous inspirer. Voilà. Donc, je suis preneuse pour vos commentaires, soit en privé ou sous la vidéo. Voilà. Donc, les personnes peuvent refaire cette vidéo-là en replay, bien entendu. Ok. Donc, nous avons été en contact avec les acturiens. Voilà. Et nous avons même eu la chance d'avoir des messages. Ça fait du bien. Hein? C'est trop, trop bon. L'énergie est de plus en plus rapide pour se mettre dans cette énergie. Et on nous aide aussi à revenir de plus en plus vite pour qu'on puisse se mettre dedans et repartir très vite aussi. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce, vous pouvez la partager. Vous pouvez aussi la regarder plus tard sur ma chaîne YouTube, Marie-Christine Gendron, éveilleur de conscience. Voilà. Et donc, demain, on est vendredi, 18h. C'est un cours de yoga. Voilà. Donc, je vous retrouve demain à 18h pour un cours de yoga. Et je vous remercie de tout cœur pour cette présence, pour qui vous êtes. Et je vous dis à bientôt, à demain. Bisous, bisous. Bisous.